Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce vendredi de la cinquième semaine du temps de carême. L'hostilité envers l'envoyé de Dieu. Un homme aux abois perd souvent le contrôle de ses actes. Il commet alors la faute qui va consommer sa perte. Quelle différence chez l'homme persécuté qui met en Dieu sa confiance. Oui, la persévérance dans la prière devant la persécution. Fils et fille du bon Dieu. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes à nouveau devant le complot qui se trame en ces jours-ci contre Jésus et qui aboutira à son arrestation. Oui, les complots, ça existe encore aujourd'hui, fils et fille du bon Dieu. Il y en a qui complotent contre toi. Fils et fille du bon Dieu, alors que tu ne fais que le bien. La figure de Jérémie et sa prière évoquent un contexte équivalent. Jérémie, le chapitre 20, les versets 10 à 13. Le prophète persécuté mais confiant. Oui, Jérémie, la plus touchante figure prophétique du Christ douloureux, est submergée par l'hostilité et la trahison. Pourtant, sa confiance en Dieu reste intacte. Fils et filles du bon Dieu, malgré la trahison, soyons fidèles par rapport à notre prière. J'entends les propos hostiles de la foule. Jérémie, Jésus, des justes qui souffrent. Oui, comme on voit encore aujourd'hui. C'est le mystère du corps mystique du Christ. Nous sommes pauvres humains. Les membres du corps du Christ souffrent, persécutés. Jérémie persécuté, c'était déjà Jésus persécuté. Fils et filles du bon Dieu. Terreur de tous, tous côtés, dénoncez-le, allons le dénoncer, disent les gens. Oui, Jésus a vécu des instants de ce genre, des instants de terreur, l'homme traqué. À l'approche de la semaine sainte, fils et filles du bon Dieu, il ne faut pas fuir cette contemplation. Il faut essayer d'imaginer le climat qui se développait autour du Christ. Et qui retentissait forcément à son âme. Oui, nous ne pouvons pas penser qu'il s'est laissé abattre par le découragement, non. Et pourtant, il était un homme. Et l'évangile lui-même laisse transparaître ses dégoûts, sa profonde peine. Tous ceux qui étaient mes amis. Oui, lorsque tu deviens Makaya, tu n'as plus rien. Les amis ne sont plus autour de toi. Oui, ce fut une des plus grandes peines de Jésus, l'abandon de ses amis, leur lâcheté. Oui, fils et fille du bon Dieu, lorsque tu as beaucoup de moyens, tu as beaucoup d'amis, parce que les gens te saluent, parce que tu es au centre. Mais dès que tu deviens plus rien, un Makaya, tu deviens un savourien, personne ne te regarde. Makaya, Moulinga, comme civil, personne ne te regarde, tu n'es devenu rien. Les amis te fuient, fils et fille du bon Dieu, leur lâcheté. Oui. Mais le Seigneur est avec moi. Le Seigneur, même si les amis te fuient, mais le Seigneur est toujours avec toi, fils et fille du bon Dieu, d'intimité avec Dieu, aux heures les plus graves, est le seul recours. Oui, le Seigneur est là pour renforcer chacun de nous, pour nous donner confiance, fils et fille du bon Dieu. C'est lui qui console chacun de nous. Oui, même cette consolation peut faire défaut. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Très souvent, c'est notre cri de tous les jours. Mais demeurons fidèles par rapport à notre relation avec le Seigneur. C'est à toi que j'ai confié ma cause. Confions nos causes entre les mains de Dieu. Père, je remets mon âme entre tes mains. Il arrive à tout homme un jour d'être dans cette situation extrême. Cela peut venir de nos propres péchés, de nos limites humaines. Cela peut venir des péchés des autres que nous subissons tous les jours. Mais demeurons fermes dans notre relation avec le Seigneur. Demeurons fermes dans notre relation avec l'unique nécessaire de notre vie qui n'est autre que le Seigneur, fils et fille du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean le chapitre 10, versets 31 à 42. Jésus confond ses agresseurs. Oui, les adversaires du Christ ont déjà en main des pierres pour lapider ce qu'ils accusent de blasphème. Mais la personnalité de leur victime les fait hésiter. Alors,
non sans humour. Jésus leur demande quelle œuvre bonne lui vaut cette lapidation et leur oppose une argumentation des plus purs styles rabbiniques fondée sur le psaume 81, verset 6. Oui, fils et filles du bon Dieu, quel humour de Jésus-Christ! Le bien que tu fais aux autres, le bien que tu fais dans ta famille, il y en a qui ne regardent pas ce bien-là, fils et filles du bon Dieu. Et pourtant, tu le fais de bon cœur. Et pourtant, tu le fais pour l'évolution de la famille, pour l'évolution de la communauté, pour l'évolution de la société. Mais il y en a qui ne regardent pas ça bien d'un bon œil, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi, continuons toujours à faire le bien, fils et filles du bon Dieu. Oui. Jésus allait et venait dans le temple. Les Juifs, une fois encore, ramassèrent des pierres pour le lapider. Fils et filles du bon Dieu, quelle souffrance! Quelle souffrance morale! Quelqu'un qui fait de bien, mais ils sont là en train de chercher à le lapider, fils et filles du bon Dieu. Oui, la souffrance morale va habiter Jésus-Christ lui aussi. La peur, l'appréhension, le souci, l'insécurité. Être incompris, mal jugé, vivre au milieu des gens qui déforment nos intentions profondes, ne pas réussir à se faire comprendre, tout cela qui est le lot douloureux de tant d'êtres humains, Jésus a éprouvé cela, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi nos souffrances, le Seigneur les remet entre les mains de Dieu. Amen. Oui, le Seigneur s'appuie sur le Père. Malgré cette angoisse, oui, il a la paix constante, fils et filles du bon Dieu. Malgré la persécution, demeure dans cette paix, oui. Il dit, le Père est en moi et je suis dans le Père est en moi. Communion, unité profonde, transparence totale, fils et filles du bon Dieu. Oui, après des siècles qui sont passés depuis l'œuvre qui dure toujours, nous avons de la peine à imaginer ce qui se présentait alors dans leur esprit. Les Juifs de ce temps-là étaient vraiment devant une nouveauté absolue et invraisemblable. Ils ont perdu leur ngunda-ngunda. Leur problème, c'est qu'ils n'avaient plus de succès. On ne les regardait plus. La jalousie, oui. La jalousie encore aujourd'hui, ça détruit les foyers, ça détruit les familles à cause de la jalousie. On comprend les Juifs qu'ils n'aient pas voulu y croire. Ils étaient tout de même devant un homme en chair et en os. Dieu était descendu dans sa hauteur. Il se promenait là, dans la rue. On pouvait lui lancer des pierres. Fils et filles du bon Dieu, Dieu s'est incarné. Il est venu rencontrer chacun de nous. Dieu a voulu vivre la condition humaine. Dieu a surélevé ainsi la condition humaine. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Oui, les pères de l'Église, fils et filles du bon Dieu, des premiers âges chrétiens, réfléchissant sur ce mystère de l'incarnation, oseront dire, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, amen. Il ne faut pas que cela nous fasse faire des malins, le ngunda ngunda. Nous ne l'avons pas mérité. C'est un don de Dieu voulu par lui-même, une grâce et c'est une responsabilité. Exigence de sainteté, appel à la perfection, vocation à l'amour absolu. L'idéal de l'homme n'est rien moins que Dieu. Soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Et pour être parfait, fils et filles du bon Dieu, aujourd'hui, c'est de nous aimer les uns les autres, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. Le Père Paul Jess Tounou, depuis la paroisse Saint-Michel de Njolé, dans l'archidiocèse de Libreville, en route vers Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la gloire, fils et filles du bon Dieu, n'oublions pas. Kipe, Yayo et Tokos de Carême, en tout un chacun de vous. Merci, Seigneur.